Salut à tous, c'est Matt. Et on se retrouve sur Need for Speed Rivals avec l'accent toujours au poste. Et je vais vous présenter un peu ce jeu qui m'est. Enfin, je trouve par rapport aux autres Need for Speed, je trouve assez différent quand même. Enfin, je trouve mieux, tout simplement. Et j'aime bien. Donc, je vais vous montrer un peu les deux côtés, les deux envers du décor. Je vais regarder un peu, j'ai une espèce de montre pas loin, donc je vais regarder le temps que j'y passe. Ouais, je vais essayer de vous faire à peu près 10-15 minutes de chaque. Et c'est parti. Alors, je vais vous montrer à peu près. Donc ça c'est le côté des flics. Ça c'est le choix de mission. Ça c'est les voitures que j'ai. Mais pour l'instant, c'est la Marussia que je préfère. Donc, voilà. Ça c'est les dispositifs de poursuite, c'est ce qui vous permet de plaquer les gens. Et ça c'est la plaque d'immatriculation. Voilà, c'est le rejet officiel qui est avec vous. Et donc, je vais y aller. Normalement, j'ai fait mon petit test son. Donc, ça devrait le faire pépère. Et donc, on va se balader un petit peu. Et puis, on va commencer à faire quelques missions. On va essayer de débloquer des voitures. Des trucs sympathiques, quoi. Donc, ça reste un jeu quand même assez beau. On dirait du Battlefield 4, enfin, je trouve. Moi, c'est dans ma tête, c'est fait comme ça. Je sais pas pourquoi. Par contre, il y a le seul truc qui est pas très optimisé, c'est qu'ils ont mis une limite de FPS à 30. Et du coup, je sais pas, c'est assez pénible, quoi. Je peux pas filmer au-dessus de 30 FPS. Alors j'espère que ça va bien rendre. Donc normalement, ça devrait, hein. Alors, mais sinon, il reste assez beau et... La maniabilité des voitures est vraiment bien. On s'éclate vraiment, c'est vraiment un bon jeu d'arcade. Alors au bout d'un petit peu de temps, je vais regarder si le son est est bien record. Vous voyez là, je pourrais l'arrêter. Là devant moi, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un... Ah! Ouais, un pilote. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ok. Il m'a feinté le mec. Ok, d'accord. M'engagez pas comme policier les mecs, je vous jure. Ok, je vais vérifier le son quand même, parce que là il me paraît assez fort. Ok les gens, bon, ça devrait le faire normalement. J'espère du moins. J'en ferai une petite vérification pour pas que la vidéo soit complètement foirée. Alors, déjà on va commencer par un peu se balader, comme j'avais dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Bon, on verra plus tard pour ça. Alors, je propose qu'on fasse une mission. Alors, merde. Là, c'est assez compliqué parce qu'il faut que je regarde en haut avec les flèches du pad. Ouais, parce que je joue au pad. Hein. Pas moyen de jouer au clavier sur un jeu de bagnole. Donc, il y a des super poursuites, des interventions rapides. Bah, je vais essayer de faire les trois. Hop. Voilà, bah, c'est pas loin. Tac. De toute façon, on aura le temps de se promener. Ouh là là, c'était un virage de pro ça. On va essayer de faire des trucs stylés un peu, même si je suis pas fort dans la matière. Alors attends, elle est où là? Allez, c'est parti. Alors je vais baisser le son dans mes oreilles. Ok. Là ça m'a l'air bien là. Où ça? Elle est où la course? Ah elle est là, ok. Ah merde, j'aurais peut-être dû m'équiper d'autres trucs de poursuite. Ok. Ok, alors j'ai un IEM. Je vais vous montrer comment ça marche si j'arrive à le placer. Ça y est, je l'ai touché. Donc vous voyez qu'ils ont quand même une bonne barre de vie, donc ça va pas être facile de tous les avoir. Surtout que j'ai pas une voiture très très puissante au niveau de... Au niveau du bourrage. Putain, mais ils me font que des feintes là. Alors. C'est excellent ce qu'ils disent les mecs quoi. Allez, on va se concentrer un petit peu. C'est parti, allez. Non, putain, la barrière. Aïe aïe aïe. Ah, c'est fâcheux. Je l'avais pas vu, hein, je vous avoue, je. Merde! Ok, vas-y. Second prénom, c'est Mad Max. Allez, dépêche-toi. Putain, je vais jamais y arriver. Déjà, si j'en ai un, je suis content, quoi. Je vais peut-être prendre la Camaro, après, ou la Mustang, peut-être.
J'aime bien, c'est des voitures que j'aime bien en principe. Oh là là, on a perdu un peu de FPS. Je sais. Non, putain, j'aurais pu la décalquer quoi. Ok. Allez. Toi, tu bouffes, toi. Non, tu bouffes, j'ai dit. Il est où? Ah, je l'ai arrêté. Merde. Allez, on se dépêche. Ok. Deux arrestations sur trois? Oh, il y a un mec qui m'aide. Ah oui, alors, je vous ai pas dit, hein, mais c'est en ligne. Du coup, il y a une espèce de... Une espèce de coopération. Des fois, en plein milieu d'une course, vous pouvez être aidé par des... Soit aidé, soit emmerdé par des amis ou des ennemis. Et c'est juste épique ça, enfin, vous êtes en train de faire une course et là vous faites poursuivre par les flics random en plus, hein. C'est la plupart du temps c'est assez random, bon, c'est quand même pas mal aussi scénarisé, mais tu vas crever. Oui, Melaider. Bon, merci. Alors, tu crois qu'on y arriverait pas, franchement. Franchement, alors épreuve, on va faire une intervention rapide. Hop, tac. C'est 1,7 km pile. Aïe. Ok, je reviens, je coupe l'enregistrement. Je fais un petit test. C'est reparti. Alors, je vais rebaisser le son dans mes oreilles. Ok, là je conduis avec mon ventre, si vous voulez. C'est un peu compliqué. Merde, voilà. Ok, j'ai repris la main. Allez, c'est parti. Là, ça va être bien cool cette session, hein. Je le sens. En tout cas, moi je m'éclate. Alors... Pas génial, génial ça. Ah non, c'est pas celle-là, moi c'est derrière. C'est celle-là. Merde. Chier. Voilà. Here we go. Bon, culé. Allez, c'est parti. Faut que je fasse quoi là? Ah oui, c'est juste une intervention rapide, donc c'est un contre-la-montre en fait, basiquement. Aïe, et quand je me prends des murs, je perds du temps. Alors, je vais essayer de conduire mieux que ça. Il me semblait que j'avais déjà fait cette course, c'est bizarre. Oh non, elle est compliquée, il y a tous les petits virages à la con là. Ok. Ça va. Oh, je l'ai mal pris, putain. Ouh, je conduis comme une bouse, là. Ça, ça s'appelle du drift, ma gueule. Ouhou, allez. Et... Here we go. Je ne prends pas en compte les dommages collatéraux, alors poussez-vous. Ouah. Ah. Ah non, mais c'est pas le moment, casse-toi toi, je veux pas te poursuivre, allez casse-toi. Ouh, c'était juste. Oui. Ah c'est génial. Allez. Oui, bien sûr, oui, dégâts critiques, lololol. Si je me crache avant la fin de la course, attends, faut que je reste concentré. Il me reste combien? 2 km, faut pas que je me grouille. Je veux pas que je me... Faut pas que je me gourre. Ok. Ok, ils l'ont eu. Génial, j'aurais pas à le rattraper. Lol. Allez, en plus il y a un camp, donc je vais pouvoir changer de voiture et réparer ma voiture. Ce qui est une barre en tout en bas à droite de vie. Vous verrez pour la prochaine. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre? Parce que ça c'est une voiture qui est assez réactive, c'est pour ça que je l'ai pris. Contrairement à d'autres qui sont vachement lourdes et du coup bah c'est plus dur. Donc je vais vous couper le temps de chargement parce qu'en général ils sont... Ah bah... Ah non. Bon bah ils sont un peu longs. Donc... Ah bah non.
Ah non, c'est. En fait, oui, donc il n'y a pas beaucoup de chargement, vous avez vu, hein. C'est juste qu'il y en a deux gros, c'est pour démarrer le jeu et pour rentrer sur le serveur. Alors, choix de voiture, oui. Porsche, non. Voyez, celle-là, elle est sympathique, celle-là. Le problème, c'est que. L'autre est plus performante et elle a plus de contrôle, surtout. Quelle est la voiture qui a plus de contrôle là-dedans? Oula! La Mercedes. Ouais, j'aime pas trop les Mercedes. Contrôle. Ouais, ils ont tous très peu de contrôle. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et en vitesse, c'est quoi ça? Ouais, pas beaucoup de vitesse. Bon, je vais vous montrer la Shelby. Ah, quoique, non, au niveau du contrôle, c'est vrai. Bon, allez, va pour celle-là. J'ai jamais testé encore. Alors, dispositif, on va mettre. Pas, on peut mettre quoi? Champ électrostatique, c'est assez puissant. Tac, et on va mettre IEM. Tac. Et on va commencer. Bah, par là, j'y vais jamais. Donc, voilà. Ça va y aller. Donc là, il nous reste une interception et ensuite on changera de mode, c'est-à-dire qu'on ira avec les pilotes. Et je pourrais vous montrer les autres types de courses, les autres types d'attaques, parce que je préfère les attaques de comment ça s'appelle? Allez, c'est parti. Oh yeah! Ah bah tiens, j'ai jamais vu ici, je vais vous avouer. Alors, épreuve, il nous reste une interception. Allez. À 12 km, ah c'est génial. On fera un peu marcher. Ouh, c'est assez beau la neige. Hein. Et j'avoue que je suis jamais encore allé ici parce que ça fait pas longtemps que je joue au jeu. Mais j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup. Ouais, le jeu est quand même pas mal beau. Hein. Ils ont pas fait trop de la merde ce coup. Même si j'attendais plus un Burnout qu'ils avaient annoncé à Burnout Paradise 2. Il l'avait. Enfin, annoncé. Il l'avait sous-entendu. À plein de moments. Ah, commencez pas, hein, je suis pas en course là, cassez-vous s'il vous plaît. Ouais, ils l'avaient bien sous-entendu, donc. Casse-toi, je veux pas. Je suis pas un flic, allez, casse-toi. Ouais, donc je m'attendais. Enfin, j'aurais bien voulu un. Putain, il y a les télésièges et tout. J'aurais bien voulu le Burnout Paradise 2 qu'ils avaient entre guillemets annoncé. Mais à mon avis, il sortira pas avant une année ou deux, quoi. Un truc comme ça. Moi, j'ai cru qu'ils l'attendaient pour la next-gen, donc. Voilà quoi. Mais bon. Mais celui-là est pas mal non plus quoi. Il est bien équilibré. À mon avis, il peut tourner sur pas mal de PC sans que ça bug trop. Avec cette restriction de 30 FPS là. C'est épique. C'est épique ce paysage. Je parle de tout à la fois. Hein. C'est pas très important. J'en suis à combien? 8 km. Bon, on peut encore discuter alors. J'espère que les dernières vidéos vous ont plu. J'ai l'impression que la bêta de The Elder Scrolls, mais bien que. Bon, j'avais pas beaucoup de. Casse-toi. J'avais pas beaucoup de temps pour la faire parce que j'étais au ski avec un pote et bah. Quand même, fallait le privilégier quoi. Sinon, c'est pas rigolo. Le problème, c'est que c'était un peu le dilemme. Vous savez, il y a des dilemmes dans votre vie. Là, c'était le dilemme. J'ai réussi à peu près à égaliser des deux côtés. Et bah du coup bah elle était pas très longue mais on a essayé de vous montrer à peu près du gameplay même si bah c'était buggé malheureusement. J'espère que ce sera mieux la prochaine bêta. Oula, ça commence à baisser. Ah non, c'est pas les FPS qui baissent. Okay. Ouais, j'espère que la prochaine fois qu'il y aura la bêta, je pourrai vous faire un long gameplay, un truc de barge. Ah, ça y est, on est revenu dans la. Ouais, un long gameplay bien sympathique avec Roger et tout ça parce que j'ai laissé le jeu installé. Maintenant j'aurais pas à perdre du temps pour l'installer. Bien qu'on pouvait le pré-télécharger, hein, ce que j'ai fait, mais quand même. On n'a pas trop vu de vrais joueurs, hein, il n'y en a pas beaucoup par partie. Bah, pour la simple et bonne raison que sinon il y aurait un manque de stabilité. Hein, déjà que quand il y en a d'autres qui viennent d'autres pays, vous sentez la différence quoi. J'espère que vous passez un bon moment parce que moi j'en passe un bon.